Salut les gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour tester notre level de débilité et voir notre résistance à la douleur, on a décidé de faire un concours de plats. Les règles sont simples, deux challengers. Un plat chacun jusqu'à ce que mort s'en suive. Et l'obligation de faire un plat plus complexe que le précédent. Bienvenue dans mes idées débiles et enjoy this video. Et qui a voulu jouer à ce jeu? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, très débile. Et comme vous le savez, je suis loin d'être le youtubeur le plus intelligent. Aujourd'hui, on va essayer d'affronter nos peurs mentales, on va essayer d'affronter nos nerfs. Et on va tout simplement partir sur un bon concours de plats des familles. On est en compagnie du frérot Aurel que vous devez commencer à connaître parce qu'il apparaît un peu partout sur cette chaîne. Du coup, ouais, là, on est à Santorin pour quelques petites semaines. Cher Aurélien, as-tu déjà fait un concours de plats? Un concours de plats, non? Des plats, oui, mais pas voulu. Moi, tu m'avais appris à faire un backflip il y a pas longtemps. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous glisse la vidéo juste là. Et je faisais des plats sans même faire exprès. En principe, ça devrait le faire. Tu m'as aussi appris à faire le front flip. Et t'as aussi bouffé des plats. Et j'ai aussi bouffé des sales plats. Théoriquement, ça devrait être facile. Moi, Sopper, lui, c'est au 17 ans de gym, moi, c'est un piou-piou dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des plats level baby. Ouais. Laisser tomber tout simplement son corps et ensuite, on va essayer de mettre un peu de hauteur et peut-être éventuellement des figures. On va se renchérir. Donc c'est toi et moi et toi et moi. Toi plus moi. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui crève, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Ok, ne reproduisez pas ça chez vous. Let's go. Et celui qui commence choisit si on commence par face ou par dos, ok? J'ai gagné donc tu commences. Okay. On a le droit de se protéger couilles et visage. Ok, ça me va. J'ai pas fait de plat les gars depuis so longtemps. En fait quand tu fais des plats c'est que c'était pas voulu. Ouais de ouf. Plat number one. Hey, c'était pas un plat ça. Ah je me suis laissé tomber. Ok, fais la même. There you go. Ah, le dorsal. Oui. Ah. Ok. Moi je suis sûr que c'est déjà rouge. Tant mieux qu'il a réussi parce qu'il n'y avait absolument rien de compliqué dans le fait de se laisser tomber sur le teco. Passe au step du dessus sur le plat. Ça part sur un plat tout simplement. L'avance. C'est pas ça? Ah mais c'est... J'étais pas prêt. Ok, on va le refaire. Donc là je viens de me faire carotte un plat parce que la GoPro n'était pas prête. Pain. Oh, j'ai hâte de lever l'œuf. Ma tête elle résonne un peu là, je t'avoue. Tu protèges tête? Qu'est-ce que tu veux mon pote? Tu vas avoir mal dans tous les cas. Perfection. Le ventre. Le ventre et le bras. Travaille à l'école, devenez pas youtubeur. Moi je pense que je vais rester sur les trucs classiques qu'on peut tous faire parce que lui étant donné qu'il a de la gym, il va rajouter des trucs un peu plus complexes. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un truc comme ça. C'est tellement con. Je saigne. Et bienvenue dans ma vidéo. Pour moi il est pas bon celui-là. Tes fesses elles sont tombées avant. T'as entendu le bruit, s'il est pas bon. L'arbitre a jugé qu'il n'était pas bon. Oui parce que attention, l'arbitre Antoine Vang est situé là-bas et observe tous les plats. Je demande un instant de replay. L'arbitre a décidé que c'était pas bon. Bah on cambrille. Ouais. Allez salam. Voilà. Tape ce plat motherfucker. On part sur les impulsions. Un petit peu de hauteur mon pote hein. On vous a mis une GoPro dans l'eau pour pouvoir apprécier ces magnifiques moments. A toutes les personnes qui me détestent, enjoy cette vidéo. Je pense qu'elle vous fera du bien mentalement. Come on. C'était un plongeon. Ça commence à rougir là.
Les visionnaires. Le juge a jugé zéro. Quoi zéro? Zéro. Quoi zéro? Celui-là il fait peur de ouf. On a le droit de mettre un pouce bleu tout de suite là maintenant pour cette idée absolument géniale. Ça a l'air moins dur que le plat en face. C'est vrai que mes bras ont un peu amorti ce qui se passait autour. Oh. Oui. Go. En fait, ouais. Lui, il tombe. Qu'est-ce qui définit si on est bon ou pas? Faut qu'on soit à l'horizontale. Deux triceps, cuisses, j'ai tout pris. C'est une qualité de merde. Qui fait qu'on soit à l'horizontale avant d'aller faire un vrai plat, théoriquement plat, c'est... Bah, je pense que ça s'entend et que ça se voit. Ouais. Je pense qu'on était tous les deux pas très beaux techniquement sur celui-là. Du coup, on y retourne. Ça coupe pas. C'est dur, hein, techniquement. Rien à voir avec le tien là. Ah, celui-là, je pense qu'il est comptabilisé. C'est une fin de vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, bise. Ah, je peux plus là. J'ai laissé ma colonne. Il est l'heure de passer aux figures. Et c'est le moment des bons plans. Juste une petite pause pour laisser nos corps refroidir. Si tu cherches des vêtements stylés, que ce soit des maillots de bain pour faire des magnifiques plats dans la piscine ou encore des concours de sissy squat, des débardeurs, des t-shirts, des leggings, whatever you need, tu trouveras ton bonheur sur le site de Gymshark qui passe à moins 40% à partir de demain 10h. Je te conseille vraiment d'en profiter parce que c'est les soldes d'été et c'est des réductions vraiment fat qui vont pas durer longtemps. Ah, et si tu connais pas encore la success story de Gymshark, tu vas vite comprendre pourquoi je surkiffe cette marque. À la base, c'est simplement l'histoire d'un étudiant, comme toi et moi, un mec de 19 ans qui livrait des pizzas après les cours pour se faire de l'argent de poche. Il a commencé il y a même pas 10 ans en imprimant, en floquant et en envoyant les t-shirts faits de ses propres mains depuis sa chambre. Mais il avait une vision, depuis le début. D'où leur slogan Be a Visionary. Et step by step, il a juste practice, practice et encore practice. Jusqu'à ce que sa société devienne une des leaders du marché et en vienne à peser plus $1 milliard à l'heure actuelle. Rien que ça. Bref, encore une preuve que tout est possible à partir du moment où vous êtes passionné et vous vous sortez les doigts. Practice makes perfect, fam. Comme tu l'auras compris, en ce moment, il y a des sales soldes d'été sur Gymshark, donc je te laisse cliquer sur le lien qui est dans la bio maintenant, là tout de suite, pour en profiter. Si ça t'intéresse un tant soit peu, c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Enjoy. Je sens que je vais pas pouvoir gérer ça. It's time to level up. Je le sens arriver. Je pars au JO là, c'est bon. Ah, tu dis quoi de ça, mon pote? Ah bah, je dis bonne chance pour moi. Les gars, j'ai appris à faire des bacs il y a pas longtemps. Et dans l'eau, j'ai peur de me prendre le bord. Du coup, je vais tout le temps trop loin. J'arrive pas à aller haut. C'est quoi la technique? Je vais faire le backflip. Maintenant, je lui apprends ce qu'il faut pas faire en backflip. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc, je saute, je fais mon bac, je touche. Et dès que j'ai touché, je détends. C'est ça. Ouais. C'est ça, mais j'ai entendu. Pourquoi j'ai envie de le refaire? C'est pas très drôle. Validé. Oh, il faut tendre les jambes full hein. J'ai eu mal. Là il est vraiment pas mal, on va le refaire parce qu'on a pas setup le ralenti. 9,5 sur 10. Yes I. Regardez bien la figure que je vais faire là, je l'ai apprise hier. Normalement il sait pas la faire donc ça va être encore plus drôle. On va essayer ça, let's go. Je sais ce que tu vas faire, je vais pas y arriver bro. Tu le sais. Je lui ai dit que s'il avait pas la rotation complète, il pouvait le faire en plat d'eau, vous allez voir. Ah, 10 comme ma douleur sur mes cuisses. 10 ans, je te déconseille de faire ça, ma chérie. Incroyable comment je me suis brisé les couilles. Ok, étant donné que je sais pas faire le bac qu'il vient de faire, je vais faire la même chose sans la rota.
Je pense que c'est ton pneu douloureux. Lui il était beau. Déjà avec la vitesse de la rotation je me suis éclaté. Alors là sur le dos les gars, je pense que ça mérite vraiment un max de pouces bleus, il s'est éclaté. C'est imparfait pour les juges, on check le ralenti. Il est bon. Les gars, vous avez vu ce que vous avez vu. Même Aurel, il était pas prêt. Il s'est dit, il va faire un truc nul. J'ai vraiment donné ma vie. Je suis sûr que tu peux faire cuire un œuf sur mon dos. Gros, c'est sûr, ça cuit. Checkez bien ici la démarcation. Regardez mon cul, putain. Tu as le backflip, le front flip. Maintenant, on va taper le handstand. Let's go. Ah, j'en peux plus, moi, du dos, là. Allez, les gars. Come on. Oh, ça fait peur. Oh, le dos, j'en peux plus, lui, moi. Il va faire très mal, hein. J'en peux spontanément. Allez, contract. Quoi? C'est quoi? C'est sur 3? Ça m'a pris des bruits. Ah, mais celui-là, je le sens, il va faire mal. Faire bien les jambes, reste bien gainé. Oh, j'ai glissé. Loupé. Ah ouais, ils ont mis un, frère. C'était la même. Mais je me suis laissé tomber. Non, c'était non, jambes. Il est pas totalement tombé à plat dos, donc jamais 203. On y retourne pour le handstand. C'est moi qui ai manqué. Là, voilà. Là, t'es bon. Rentre ta tête. Ah, j'ai peur. Allez, on y va. Non. T'arrives pas, pas quand on rêve. Reste comme ça, les pieds, reste comme ça. C'est quoi ton problème? T'arrives pas, je comprends pas. Bon, bah, Joker, on passe au suivant. Ça va, celui que j'ai fait avant, il vaut tout cela. De toute façon, je lui en garde encore deux. Il est pas prêt. On a ici une petite fontaine qui va accessoirement aujourd'hui servir de plongeoir. J'ai pas envie de le faire. C'est celui qui va probablement faire le plus mal. Attends. Mais j'ai envie de le voir faire. Fuck this. On va partir sur un front flip des familles en dégroupant. À tout moment elle casse et là mon gars c'est très drôle. Oh c'est super drôle, frère. Oui, c'est ton idée. Mais pas ta vie, on n'a pas le droit. Je sens des fourmis dans tout le corps. 4. J'ai le dos qui a tapé en premier, donc je suis fair play, je lui montre l'exemple. Do it again. Tu sais, c'est marrant quand même le paradoxe entre assurer la sécurité et faire des plats. Quel bonhomme. Pas serein du tout. Eh ben il va falloir. Do it for the buddies. Oh là là, star fou là. Team buddies, that's really for you. Il a misé. C'était mon peur. J'ai vu ma vie défiler. Tout à l'heure il me disait, je ce serait bien que tu glisses au ralenti. Il y a des vieux qui sont pas contents parce qu'on crie fort, parce qu'on a mal. Du coup on va se taire. De toute façon, ils comprennent pas le français. Bien tendu, mon pote. I was shouting underwater. Je fume pas trop quand même. Je vous avais dit qu'il y avait des vieux ici. Ah, je me suis tué. Ok les gars, on sort le bob de l'amitié pour ce dernier saut qui va être juste incroyable. Alors, on va partir de ici, l'escalier, on va taper notre meilleur sprint, course d'élan, impulsion, magnifique saut de l'ange. Le but, ça va être d'être comme ça en l'air et magnifique plat ventre juste ici. Normalement, le cadre est vraiment cool. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. J'aurais bien juste prévenu la voisine relou qu'on va faire du bruit, mais bon bah tant pis, on va la prévenir à la zone. C'est le saut de l'ange d'Assassin's Creed, mais sans la paille. PTDR le plongeon, ah. Je recommence. Je trouve que c'est validé. Je sais pas si tu peux voir que la meuf derrière, elle me déteste. Elle nous déteste. Here we go.
c'était ta plongeon. Et là, comme tu peux le constater, j'ai mal. Voilà. Ça résonne dans la tête. J'ai la tête qui tourne. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez comment ça se passe. Je vous laisse éclater la barre des pouces bleus et poser un gros commentaire des familles. Il y aura la chaîne du frérot juste après, n'hésitez pas à checker ce qu'il fait aussi. Pas mal de conneries qui se passent en ce moment. Et si vous avez kiffé cette vidéo, vous devriez kiffer les JO aquatiques de Santorini qu'on vous a tourné du coup, qui sont dispo sur sa chaîne. Merci pour tout, merci de love, merci du support. On se voit très très vite, mais on n'oublie pas que je suis quand même en vacances à la base. Donc si je suis pas là, c'est normal. Allez, bisous, peace. Qui a voulu jouer à ce jeu? Allez, à la semaine prochaine, fam. Peace. Petit rappel de fin, oublie pas le solde de Gymshark jusqu'à moins 40% avec le lien qui est dans la bio, juste là. On se voit dimanche prochain. Peace.